À présent, tu as assez de vitesse pour faire une transition bien en haut et de vivre un peu d'airtime. Mais fais attention à ne pas sauter trop durement. Plie plutôt tes jambes. Tu devrais atterrir à la même hauteur que celle à laquelle tu as décollé. Ici, tu peux faire une rotation en te donnant de l'élan, tout en tenant tes bras et le haut du corps, et en les rapportant sur tes skis au moment du saut. Tu peux aussi faire un alley-oop en faisant une rotation en direction du haut de la montagne.